Salut à tous, ici Alex Dakid. Je vous retrouve pour la suite de God of War. Précédente vidéo, on avait un peu décédé. Blessé. Donc on va se venger. Incessamment sous peu. C'est-à-dire maintenant. Ah mais lui, il est chiant avec son fort de glace. Pas du tout ce que je voulais faire. Pas vraiment ce que je voulais faire. Voilà. La vengeance est complète. C'est le moment de retourner le temple. Oui. Pourrait-on arrêter d'employer l'expression retourner le temple? Ça devient un peu trop normal. Comme tout à l'heure, je ne me souviens plus du chemin à la base. Peut-être celui-là. Hop, on reprend l'ascenseur. Non? Ah si, j'ai eu peur. Frères, je me suis dit, ça y est, je suis bloqué. Jamais ça ne marchait pas, souvenez-vous. Tyr a créé ces obstacles pour une bonne raison. Il a su empêcher Odin d'atteindre Jotunheim, mais la paix est loin de régner. Non, mais il y a de l'espoir. On travaille tous ensemble maintenant. On est unis. C'est ça que signifiait la rune sur la porte qui menait ici. On suit la voie de Tyr. Pousse avec tes jambes, frère. Cette force brute sera la solution. Je serai content d'être de ton côté, mon frère, et nous ne sommes pas morts. Que demander de plus? Là, à gauche!
Je pense qu'on peut monter à l'envers pour rejoindre la salle de passage entre les royaumes. Intéressant. Allons-y alors. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de changé par contre? Allons-y. Tu vois, Mimir, personne pourrait faire ça tout seul. Tous ces obstacles, ils nous permettent de prouver qu'on est les seuls à pouvoir les battre. On a beau se disputer, mon père et moi, toi et Freya, Brock et Sindri. Quand on unit nos efforts, on forme une bonne équipe. C'est ça le test de tir. Et c'est pour ça qu'on va réussir à atteindre Jotunheim. Tu entends ça, mon frère? Le garçon a trouvé son équilibre. Ça veut dire quoi, ça? Il veut dire que tu parles avec sagesse, Atreus. Et ça fait plaisir à entendre. Mystérieux objet de tir. Ça fait un peu peur tout ça quand même, on va pas se mentir. Et alors le temple a été conçu pour être renversé. Regardez, l'arbre est à l'envers. Ou c'est nous? Je sais plus trop. En même temps, on voit rien du tout dans cette pièce, donc... C'est que ça. Atreus. Sorte de pierre de transport. Fais-moi voir. Par les pieds d'Odum, là, c'est la pierre d'unité. Tu sais ce que c'est? Je n'étais pas sûr qu'elle existe. Si Tyr l'avait en sa possession, ça expliquerait comment il a pu se rendre dans tous les royaumes et même au-delà. Il tenait ceci sur le panneau dans la bibliothèque d'Odin. Oui. Oui, ça y est, je comprends maintenant. Ça montre Tyr parcourant le monde entre les royaumes. On dit toujours qu'il ne faut pas s'écarter du droit chemin, mais Tyr, lui, suivait son propre chemin, si tu vois ce que je veux dire. Le monde entre les royaumes. Est-ce qu'on va pouvoir aller dans tous les royaumes? Comme on veut? J'ai un doute quand même. Alors tu penses que la marque de Tyr le montrait sautant d'une branche de l'arbre monde et que pour atteindre l'accès secret à Jotunheim, nous devons en faire autant? C'est ça. Bonté divine. Tu le penses vraiment, n'est-ce pas? J'ai besoin de cet alchimiste pour une création que je te réserve. Si t'es malin, tu le trouveras. Tu veux quoi, dis? C'est un peu pour moi, ça ne tient pas droit. Ça a coûté bien cher. Ça a coûté très cher. On se reverra dans les parages. Peut-être. Peut-être pas. Alors... Monde entre les royaumes. Allons-y. Si tu comptes nous précipiter dans le vide, j'espère que tu sais ce que tu fais. C'était pas ton idée de trouver notre propre voie. Et merde. Ah, bien sûr, vous allez au précipice, quoi. À chaque fois, je me dis où je pense aller derrière moi, parce qu'à chaque fois, c'était à l'autre bout. Bien sûr.
faut que j'aille là, quoi. Bon, cette fois, ça va pas nous tuer. Franchi le pas et que la pierre d'unité l'a protégé. On va pas mourir si on saute. Eh bien, nous y voilà, mes amis. Ce fut un honneur. Fais confiance, tête. Tête. C'est incroyable! Je pensais qu'il y aurait un bon. Oh, comment je peux avoir la nausée alors que je n'ai pas l'estomac? Tu rigoles, c'était génial! Regarde! La tour! Je savais bien qu'il y avait quelque chose ici! Incroyable! Comment cache-t-on une chose qui existe dans tous les royaumes? En la déplaçant dans le monde qui sépare les royaumes? Tyr était malin. Est-ce que Jotunheim est de l'autre côté? Ça ne peut pas être ça! On ne peut pas passer par Vanaheim pour atteindre le pic de Midgard! Alors comment on l'utilise? Je suggère de regarder à l'intérieur, mais restez prudent. Les défis de tir ne sont jamais aussi simples qu'il y paraît. J'avais remarqué. Ok, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose ici. Allons-y directement. C'est très... dépouillé. Le piédestal. La pierre a rempli son rôle. On réalise le sort de tir. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Aucune idée. Mais après cette chute, le pire doit être derrière nous. Ah, je retire ce que je viens de dire. Non, pas... Thank you.
putain. Mais il a vraiment plus la pierre de résurrection. Je sais pas quand est-ce que je lui ai enlevé, mais... Mais non. Je suis pas nain. Mais non. Oh MG, il lui restait un PV quoi. Mais pourquoi je galère là? Je sais que je les aime pas, mais... Ouais, mais... Réveillons-nous quoi. Oh putain, j'ai pas envie de le voir, en fait.
blague. Ah mais putain, la trace qu'il laisse après, le truc, c'est horrible. C'est une blague. Par contre, avec la vie que j'ai. Je ne pense pas, non. Ah d'accord. Yeah.
Bon, c'est les seuls royaumes que je connaisse, donc peut-être que c'est la fin. On s'est arrêté. Je crois que c'est fini. D'accord, mais où sommes-nous? Ok. Ouais, du coup, on fait quoi ici? On est bloqué, on est... Ouvrons la porte. Regarde, on est de retour à Midgard. Voilà le pont. On a réussi. La tour est de nouveau à sa place. La salle de passage de Tyr peut maintenant nous mener à Jotunheim. Comment Tyr a fait ça? Odin soupçonnait les géants de posséder des restes de l'essence primordiale des Jotnar. C'est la source de la création de tous les royaumes. La pierre d'unité a dû être façonnée à partir de cette essence. Pour qu'il la confie à un étranger, même à Tyr, il fallait vraiment qu'il soit désespéré. Et regarde, on peut enfin allumer tous les brasiers et voir ce qui arrive. Encore un nom. Gundul. Oui, c'est comme si on en avait fait un hommage aux Valkyries. Ok. Oh, y a le serpent. Il me regarde. Il me fait peur. Mettre la pagaille, hein, vous deux. Tout à fait. Ouais, pour l'instant. À bientôt. Bientôt. Pétancia. Acheter est possible, j'ai tout acheté. Bon, bah, on va mettre un peu de points. On va le lancer. On va le lancer franc. Reviser, maintenir un. Ok. Ok, bon, de toute façon, il est l'heure de nous quitter.
On a bien avancé, on avance, on est tranquille. Tranquillement. Et la suite au prochain épisode, comme on dit. Voilà. Ok, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour la prochaine. Ciao, ciao.